Capitaine Briard, mes respects, monsieur le divisionnaire. Je suis très heureuse d'être mutée à Lyon. Oui. Après 5 années passées au 36, j'estimais qu'il était temps de... Sérieusement, en face de l'hôtel de police. Vous êtes nouvelle, vous? Je ne vous ai jamais vu dans quoi. L'observateur, Alexa. Allez. Le dépôt, c'est où? Au fond, à droite. Vous êtes le capitaine Briard? Jean-Paul Doucet, commissaire divisionnaire. Enchanté. C'est pas du tout ce que vous croyez. Original, ça. Monsieur le divisionnaire, je devais me présenter dans votre bureau à 9h30. J'étais en avance. Ce que veut dire Adeline, c'est qu'elle en a profité pour me montrer les techniques d'interpellation parisienne. Très efficaces sur un suspect. Je vois que vous avez fait la connaissance du capitaine shérif. Capitaine Kader Shérif, police judiciaire. Bienvenue à Lyon. J'ai oublié mes clés en partant faire mon footing. Eh ouais, j'habite juste en face. Bon, vous allez faire équipe tous les deux. Vous allez voir, nous sommes à la hauteur de nos collègues parisiens. N'est-ce pas, shérif? Vous pouvez me rendre mes effets personnels? Merci. Je vais me changer. Profitez-en pour vous installer. Mettez-vous à l'aise. Et on se retrouve dehors dans un quart d'heure. Ça commence bien. Sérieusement. Tu devrais pas être en cours, toi? Je me dépêche. Je pensais que mon devoir d'histoire était chez maman, mais non, elle doit être chez toi. Sarah, Adeline Briard, ma nouvelle coéquipière. Capitaine, ma fille, Sarah. Enchantée. Pareil. Bah, j'espère qu'il vous arrivera pas la même chose. Hop, 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 hop. T'as pas un devoir d'anglais révisé, toi? C'est tellement plus fun d'embarrasser son papounet. Elle est drôle, hein? C'est tout son père. Allez, file. On se revoit vite. Enfin, j'espère. Bon, on y va? Où ça? Dans l'un des plus beaux hôtels de la ville. Un homme a été retrouvé battu à mort, attaché à son lit. Ok. Qu'est-ce que vous faites, là? C'est pas celle-là, ma voiture. C'est celle-là. C'est une bagnole saisie. Pas mal, hein? C'est une Peugeot 504 V6 coupé sport, année 1981. Non, mais je sais ce que vous allez me dire. C'est la classe.
sais, pour tout à l'heure, je t'en veux pas. Hein. Alors, vous me faites passer pour une conne devant les collègues et vous ne m'en voulez pas? Très généreux de votre part. Arrête, c'était trop tentant. T'aurais fait pareil. Un arabe en capuche qui entre dans un appartement en forçant une fenêtre, vous vexez pas, mais c'est rarement un flic qui rentre chez lui, vous voyez? Ah ouais, je vois. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, on se tutoie pas. Tu plaisantes? Non? Ah, c'est comme à la télé. On se la joue nouveaux partenaires qui peuvent pas se saquer et qui couchent ensemble à la fin de la saison. Vous êtes sérieux? Croyez-moi, on va se tutoyer avant la fin de la semaine. Bonjour madame. Bonjour monsieur. J'ai réservé la suite nuptiale. Police judiciaire. En tout cas, vous êtes conforme à ce que je sais sur vous. Ah oui? Oui. Capitaine Adeline Briard, 34 ans, major de sa promo, en poste depuis 5 ans au 36 quai des Orfèvres. Très bien noté. Célibataire et sans enfant. J'ai pas de mérite, ça c'est dans votre dossier. Ah bon? Est-ce que c'est pas fini? Non. Vous adorez épater la galerie. Vous auriez pu appeler les renforts ce matin. Et vous avez préféré agir seul, histoire de faire bonne impression dès le premier jour. J'en déduis que la super flic est venue chercher à Lyon la reconnaissance qu'elle n'a pas à Paris. Capitaine Briard et capitaine Shérif. Madame Ribaud, je suis la femme du directeur et je travaille avec lui. Mon mari tient une cellule de crise, on essaie d'éviter le scandale. Vous voulez bien me suivre? Miss Ronald 92, j'avais voté pour vous. Merci, c'est gentil, mais c'est loin tout ça. Les fleurs doivent être changées quotidiennement. Combien de fois il faut que je vous dise ça? Je sais que c'est un détail, mais ça compte. Recadrez votre équipe. Bien, madame. C'est ça le secret d'un 5 étoiles, le souci du détail? Et l'exigence. C'est ça qui fait la différence. Je n'arrive pas à croire que ça puisse produire ici. Mon mari dit toujours, notre équipe c'est notre famille et le palace notre enfant. C'est là-bas, chambre 28. Je vous laisse, excusez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis dans mon bureau. Vous pouvez nous imprimer l'historique des badges d'ouverture des chambres aussi? Évidemment. Merci Jacques. Capitaine Briard, brigadier chef Baudemont, gardien de la paix Giraud. Capitaine nous arrive de la capitale. Vous avez perdu ou quoi? Shérif, capitaine, la victime s'appelle Éric Leroy, 22 ans, réceptionniste au palace. Le corps a été découvert par deux employés, la femme de chambre et le garçon d'étage. Il venait pour... Pour s'enfiler pendant la pause, pardi. La chambre rose, ils appellent ça. Travailler ensemble, forcément, ça démange, hein. Faut bien se gratter de temps en temps, mais bon, vu comment le type est harnaché, faut pas chercher bien loin. C'est un délire de Tarlouse qui a mal tourné, et puis voilà. Même avec le temps, on ne s'habitue pas à la subtilité du brigadier chef. Trace d'un gel sur le torse et dans le dos de la victime, peut-être un lubrifiant. Également présence d'une plaie importante à la tête et de nombreuses ecchymoses sur le torse, ce qui rend la piste du suicide peu probable. Capitaine Briard, je peux? Je vous en prie. Capitaine, je pense que... Il va où là? C'est ici que ça se passe? Oh, vous vous habituerez. La rigidité a commencé. Il a été tué entre 1h et 3h du matin. Enfin, je parle sous votre contrôle, docteur. Appelez-moi Philippe. Ça se passera pas comme avec les deux dernières. C'est quoi ça? Un hématome ou une tache de naissance. À moins que ce soit une maladie de la peau, eczéma ou psoriasis. Enfin, votre copain légiste tranchera. Et vous de votre côté, payant la petite balade? Venez, je vais vous montrer. Je pense qu'Éric Leroy a été attaqué ici. Son agresseur a dû lui cogner la tête contre le tableau. Qui explique la plaie sur son front. Il y aurait du sang sur le mur, non? Ouais. Ou sur le tableau.
L'agresseur arrive dans son dos, lui frappe la tête contre le tableau. Le tableau tombe par terre, la victime est sonnée. Le tueur veut remettre le tableau en place. Mais dans sa précipitation... Il semble de sens. La victime était inconsciente. Le tueur l'a traîné jusqu'au lit. Il prend le temps de l'attacher et l'étrangle avec une ceinture de peignoir. Eh bien, allons annoncer la bonne nouvelle au directeur. Le petit Leroy travaillait ici depuis 4 ans. Excellent élément. Il a quasiment forcé ma porte. Sans rendez-vous, sans rien. Au culot. J'avais fait pareil, moi. Pour mon premier job. Hypermarché Continent, sortait les poubelles. Vous avez fait du chemin, hein? Et vous savez quoi? Ceux qui en veulent, j'y repère tout de suite. Et Eric, il était de cela. Je ne suis pas trompé sur le moment. Il avait des ennemis? Alors ça, malheureusement, je suis incapable de vous le dire aujourd'hui. Vous savez... Pour ma femme et moi, le palace, c'est notre enfant. Et notre équipe, c'est notre famille. Mais oui, c'est ça. Seulement aujourd'hui, la famille a grandi. Il n'y a pas si longtemps, je connaissais tout le personnel. Mais vraiment, je veux dire. On fêtait tout ensemble, les baptêmes, les naissances, les mariages, tout. Mais c'était avant. Avant? Avant les travaux de rénovation. C'est ça qui nous a valu notre 5e étoile, il y a 3 ans. Alors voilà, il a fallu repenser l'organisation, il a fallu engager du personnel supplémentaire. Maintenant, moi, je m'occupe du financier. Et je garde un œil sur le recrutement du personnel, pour éviter les gens qui ne savent pas se tenir. Vous avez les éléments que je vous ai demandé? Oui, je vous ai mis aussi son parcours et la liste des clients et des employés qui travaillaient hier soir. Cette chambre rose, vous étiez au courant? Oui. Il y a eu quelques anecdotes entre membres du personnel. J'ai licencié les employés concernés pour faute grave. On ne peut pas se permettre ce genre de situation. Lorsque vous avez quitté l'hôtel hier soir, vous n'avez rien remarqué? Il était quelle heure? Le truc est parti vers quoi? Vers minuit, minuit et demi. Et moi, pas longtemps après toi. J'imagine que vous avez un système de caméras de surveillance à l'extérieur. Tout se passe bien? Pour le moment, oui. Ne vous méprenez pas. Le capitaine Shérif est un sacré bon flic. Tout n'a pas toujours été facile pour lui. Mais nous avons tous notre petite histoire, n'est-ce pas? Mon père vous a appelé, hein? Et que voulait le directeur général de la police nationale? Oh, prendre le pouls, me parler des problèmes d'effectifs. Et il m'a aussi demandé de vous remettre dans le premier train pour Paris. Et? Et j'ai répondu que votre mutation était en règle et que je n'avais aucune raison de vous obliger à partir. Merci. Vous savez qu'à la première occasion... Alors, Eric Leroy officiellement quitte son service à minuit. Le temps qu'il se change... Et... Attendez, vous pouvez revenir en arrière? Il n'y a plus qu'à laisser tourner la machine. Enfin, s'il est déjà fiché. À la façon dont il a attaqué le roi, il n'en est pas à sa première agression. Eddy Janzik, fiché pour multiples violences et membre actif de l'Alliance des vrais patriotes. L'Alliance? C'est bon, ça. Le dôme? Le stand de tir de l'Alliance des vrais patriotes. Un groupuscule de l'extrême droite lyonnais. Passe la moitié de leur temps ici. On ne devrait pas appeler renfort? Non. Le tout, c'est de ne pas se moquer d'eux. D'éviter la provoque. Vous allez y arriver? Ce sont des gens toujours prêts à coopérer avec la police. Vous verrez, ils sont beaucoup plus sensibles qu'ils n'en ont l'air. Tu t'es perdu? Il y a tout le service d'ordre de la VP au complet, ma parole. La crème de la crème. Alors les filles, c'est ici que vous vous réunissez pour préparer la prochaine guerre? T'as pas compris ou quoi? Allez, casse-toi, dégage! Bon, allez, virez-moi ce connard, là. Il y a vraiment pas moyen que je m'inscrive à votre club? J'ai la carte Smile.
Non? Bon, bah tant pis. Bon, on vient chercher Dijon Zic, le finaliste de notre grand concours visite guidée à l'hôtel de police. Il sait pourquoi. Et le bûcheron, pose ça par terre. Ouais. Tu crois qu'elle nous fait peur, ta carte de flic? On est des soldats, nous. Il ira nulle part tant qu'il n'aura pas reçu l'ordre. Et petit rappel. C'est une propriété privée, ici. Allez, magne-toi, Eddie. Faut que tes potes retournent jouer à la bagarre. Toi, tu bouges pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux Eddie, c'est ça? Ok, très bien. On va régler ça tous les deux, sur le pas de tir. Si tu gagnes, il part avec vous. Il va nous mettre des nouvelles cibles. Et si je gagne, vous vous cassez tous les deux. On est bien d'accord? 8 cartouches. 4 double tables en tir de riposte. Chronométré. C'est n'importe quoi. Je suis pas inquiet. Vous pouvez le battre. Mais alors, qu'est-ce qu'il se passe? Elle se pisse dessus, la beurette? Non, c'est hors de question. On n'a pas le choix. Je tire pas si bien que ça. Et la cible dans votre bureau? Ah, ça. Quelques coups de crayon pour vous impressionner. Attends, ne dis pas qu'il va me faire tirer contre une gonzesse. Mais bien sûr que si. On va rigoler. .406, 74/80. Ouais. Allez, ma belle, fais-moi rêver. .378, 77/80. On peut savoir pourquoi on va l'arrêter? Pour le meurtre d'Éric Leroy. C'est pas moi, Franck. Deux balles en plein centre. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je suis crevé. Salut les filles. Vous aviez pas besoin de moi. Et s'il m'avait battu? Deux fois championne nationale de tir, c'était aussi dans votre dossier. J'ai vu que t'avais un joli tatouage, là. Vous l'avez tous, d'ailleurs. Pourquoi, tu veux le même? Je me disais juste, imagine, juste une seconde. Imagine que tu veuilles rentrer dans les ordres. Ah ouais, t'es un marrant, toi. Tu sais la trace que ça va laisser sur ton avant-bras pour faire oublier que t'as appartenu à un groupe de dégénérés? Ça risque de faire maladie de peau. Comme ce qu'avait Éric Leroy sur son avant-bras. Eh ouais, notre victime était un ancien membre de l'Alliance. J'ai oublié mon téléphone chez moi. J'en ai pour 5 minutes. Je vous le confie. Prenez votre temps. Allez, rentre là-dedans, toi. Éric était membre de l'APP, c'est pour ça que vous l'avez agressé la nuit dernière? Ça va, j'ai rien fait, moi. Ah, tiens. Ces images proviennent de la caméra surveillance du parking, vous avez rien fait? Ça va, me regarde pas comme ça, connasse. Des types comme vous, j'en ai croisé à Paris. C'est quoi votre histoire? Plus de famille? Passage par une période de chômage, accrochage via internet, et puis les réunions font des caves, le bourrage de crâne, quoi. Rien de bien original. Ouh! Méchant flic. Tu sais quoi, je connais tous tes trucs. Mais je préfère encore le bougnoule, il est où? Vous le connaissiez pas, celui-là, hein? Comprenez bien qu'on va pas vous lâcher. Et croyez-moi, le seul endroit où vous allez faire votre service d'ordre, c'est dans les douches de la maison d'arrêt. Je veux mon avocate et tout de suite. Ouais, bon, on va l'appeler.
Déborah, c'est moi. Je voudrais te parler d'un petit truc au sujet de notre fille. Tu peux me rappeler? Ça urge. Maître Atlan, quelle bonne surprise. J'étais justement dans les parages. Une chance pour mon client. Sans blague. Depuis l'arrivée de son avocate, Eddie n'ouvre plus la bouche. Bien sûr. Le jeu du roi du silence, j'adore. Mais pas autant que le ni-oui ni-non. Alors, violence en réunion, agression à caractère raciste, délit de grande vitesse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Éric Leroy n'était pas à jour des cotisations à l'AVP? Ça fait des années qu'Éric est parti. Si on avait voulu se venger, on se le serait fait tout de suite. Jean-Luc a donné des ordres. Jean-Luc Leroy? Ah, ça va. Ouais, Jean-Luc Leroy, le père d'Éric. La règle est la même pour tout le monde. Tu tournes le doigt à tes frères d'armes, on t'oublie cash. Plus aucun contact depuis 4 ans, on est un fantôme pour nous. Monsieur Janzik. Mon client souhaite exercer le droit de garder le silence. Eh bien, faites-le changer d'avis, maître. Votre spécialité, c'est d'influencer les ados. Contrairement à ce que vous pensez, certaines adolescentes sont parfaitement responsables de leurs actes. Bien sûr, comme c'est pratique, maître. Mon client vous prie respectueusement d'aller vous faire mettre. Je cite, bien sûr. Eh bien, il va patienter en cellule, le poète. Il se passe quoi entre cette avocate et vous? J'en sais rien. Nos rapports sont strictement professionnels. Si je te parle maintenant, je te tue. T'entends? Je te tue. Je plaiderai moi-même et je serai acquittée. Je le fais pas à cause de notre fille, mais... Enfin, aujourd'hui, ils sont strictement professionnels. Si mon ex-femme, de confession juive, accepte de défendre des types qui se réclament des néo-nazis... Mais tout le monde a droit d'être défendu. T'as pas compris ça encore? Vous êtes la nouvelle? Bon courage. C'est quoi cette histoire des clarus israélites? On avait un accord. On avait dit que les trucs de religion, on en parlait ensemble. C'est ça le truc? T'en as discuté avec Sarah au moins? Parce que si tu l'avais demandé, tu saurais que j'ai rien à voir là-dedans. Ouais. Ce sont ses copines qui lui ont parlé des éclaireuses israélites. C'est pour ça qu'elle a voulu que je l'inscrive. Elle se cherche, notre fille Kader. Quand est-ce que tu vas commencer à le comprendre? Chérif. Tenez. Voici tout ce que vous aviez demandé sur Éric Leroy et l'AVP. Vous allez voir, c'est pas triste. Merci, Pascal. C'est bien que vous mettiez à l'aise comme ça. Et vous l'avez trouvé où, ce truc? Ça va être comme ça tout le temps? Vous jouez n'importe quoi et moi je dois cadrer, c'est ça? C'est ma mère qui l'a fait. Vous allez voir, c'est un régal. Merci, je passe. Les RG ont un dossier sur l'AVP. Extrait de leur collection personnelle. C'est comme ça que ça marche? Vous reconnaissez des gens? Franck Leroy, le moniteur de tir. C'est le frère de la victime. Au centre, le père, Jean-Luc Leroy. Patron d'une petite boîte de transport dans la zone industrielle. Et accessoirement, chef de l'AVP. Et ici, Eddie Janzik. Très hiérarchisé comme groupe. Structure paramilitaire? Ouais. C'est ça qui me gêne. Que Eddie tabasse Eric. Ok, on a la vidéo. Qu'il l'emmène dans une chambre pour l'assassiner, je veux bien. Mais ça m'étonnerait qu'il ait pris cette décision-là tout seul. Pas à l'AVP. Et puis, pourquoi Jean-Luc Leroy aurait donné l'ordre de s'en prendre à son fils 4 ans après? Ça n'a pas de sens. Mais il a peut-être fait quelque chose, hein. C'était pas un saint. Violence, agression à caractère raciste. Oui. Sûrement des conneries du temps où il était à l'AVP jeunesse. Ouais, c'est ça. Il a 14 ans à l'époque. À 17, il quitte l'Alliance. Et les Leroy. Il demande son émancipation et l'obtient.
Vu le profil de la famille, ça m'étonne pas vraiment. Ça coïncide avec son entrée au palace il y a 4 ans. Ensuite, une belle carrière. Jusqu'à ce qu'il soit rattrapé par son passé en la personne des Légions X. Excusez-moi, c'est insupportable, les gens qui mangent. Oh, pardon. Et qui parlent en même temps. Ce qui nous ramène directement à Jean-Luc Leroy. 4 ans qu'il n'a pas vu son fils. Pourquoi maintenant? 4 ans d'après Jean Zic, oui. Mais pas d'après le relevé téléphonique d'Eric. Il appelait régulièrement Jean-Luc. Ils étaient toujours en contact. Ou pas. Regardez. Pas une semaine sans qu'Eric appelle. Les mardis et vendredis après-midi. Et vous voyez à quelle heure? Entre 15 et 16 heures. Vous m'avez bien dit que Jean-Luc Leroy était chef d'entreprise. Mmh. Il y a combien de chances pour qu'il soit tombé sur son père en plein milieu d'après-midi? C'est sa mère qui l'appelait. Tous les appels durent plus d'une demi-heure. Sauf le dernier. 7 minutes. Et c'est la veille du meurtre. Jean-Luc est peut-être rentré plus tôt du boulot. Veuillez patienter. Le capitaine arrive. Ça ira. J'espère. Il a appris la mort de son fils ce matin. On le convoque pour affaire le concernant. Non seulement il ne pose aucune question, mais il est hyper cool. Méfiez-vous de ce genre de type. Vous n'en tirerez rien. Peut-être après 96 heures de garde à vue, mais sinon... Vous avez un haut-parleur sur votre téléphone. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous faites pas les choses à moitié. Père dans les OAS, rédacteur en chef de droit d'identité, à la tête de l'Alliance depuis 6 ans, exclu du FN il y a 3 ans. Pas mal. Et vous oubliez chef d'une entreprise de 17 personnes, et ce, depuis 9 ans. Essayons de faire vite. Ma femme attend dans le hall. La mort d'Eric l'a bouleversée. Ouais. Vous n'avez pas le droit de m'auditionner sans mon avocate. Non, non, mais il ne s'agit pas d'une audition. Je veux juste que vous relisiez tranquillement vos déclarations, histoire d'être certaine qu'on a tout noté. Je en garde à vue. Non. En audition libre. Non. Simple conversation informelle. Eh bien, conversons. Ah, ça, c'est censé m'inquiéter, hein? C'est ça, votre méthode. Juste suffisamment incliné pour que je vois qu'il s'agit des appels de mon domicile. Vous savez, votre problème à vous, la police du régime, c'est que vous nous avez toujours sous-estimés. Ah oui? Au fait, Jean-Luc Leroy est dans nos murs. Mon collègue l'auditionne en ce moment. Ça va être drôle. Notre théorie, c'est que vous avez surpris votre femme en train de parler à votre fils. Comme Eric n'a pas respecté la consigne, vous avez chargé Eddie de lui faire une petite piqûre de rappel. Assassinat. 6 à 10 ans. Vous savez, et je parle de manière hypothétique, si j'avais demandé à Eddie de s'occuper d'Eric, jamais il vous le dirait. Ah oui, le trip soldat, le code, un total, quoi. Vous avez tort de vous moquer. Je sais très bien ce que vous pensez des gars comme lui. Je crois pas, non. Pour vous? Jean Zic, c'est une merde. Un type en échec scolaire que j'ai récupéré et à qui j'ai offert une famille et qui plongerait pour le meurtre d'Eric comme ça sur un claquement de... Non, mais je veux dire, Jean Zic, c'est bien plus que ça. Jean Zic, c'est un soldat. Un de ceux dont la France a besoin. Et tu vois, des gars comme lui font la fierté de la VP. La fierté. Et toi, tu devrais baliser. Merci. De Columbo, saison 4, épisode 1. J'ai un peu détourné le principe, mais faut bien vivre avec son temps. Qu'est-ce que t'as fait, connard? Qu'est-ce que... Tu me le gardes au chaud, je reviens. Vous aviez raison, c'est drôle. Alors comment on fait? J'appelle votre avocate? Mais le temps qu'elle arrive, le roi vous aura déjà balancé. Alors maintenant, c'est chacun pour soi. Enculé, son code d'honneur, il peut le bouffer. Putain, le bâtard! C'est bon, là, on a fait le tour des insultes. C'est lui qui vous a demandé d'attaquer Eric? Hier, il m'a appelé, il voulait que ce soit fait le plus vite possible. Il a dit qu'il fallait lui donner une bonne leçon. Lui foutre une raclée, quoi. Il vous a dit pourquoi? Non. De toute façon, il l'a jamais pu le blairer. Madame, je suis le capitaine Shérif. Je suis désolé de ce qu'il vous arrive. Où est mon mari? Ça vous dirait de discuter de tout ça autour d'un thé? Non, il m'a dit de l'attendre ici. Vous inquiétez pas, c'est juste en face. Je vais pas vous mentir.
Votre mari va rester chez nous ce soir. Je comprends pas. Nous pensons que c'est votre mari qui a demandé à un de ses gars de s'en prendre à Eric. Vous savez pas quel genre d'homme est Jean-Luc. Quand Eric a eu 13 ans, Jean-Luc l'a emmené aux réunions de l'Alliance. Il détestait ça. Il pleurait des heures dans sa chambre. Un jour, il lui en fait tatouage sur le bras. Eric disait oui à tout. Tout ce qu'il voulait, c'est de faire partie d'un groupe. Il voulait pas rester seul. Je sais pas si je le protégeais. Même le soir, il est rentré avec des traces de couches. J'ai rien dit. Jean-Luc a dit que c'était un rite initiatique. Il détestait mon fils, il le détestait. C'est de ma faute. Vous avez fait ce que vous croyez juste pour votre fils. À quel moment vous avez dit à Eric que Jean-Luc n'était pas son père? Quand Eric a quitté l'Alliance. Il était tellement mal, j'ai senti qu'il allait faire une bêtise. Alors je lui ai tout dit. Il a pleuré de joie, il voulait absolument savoir qui était son père. C'était il y a 23 ans, je travaillais chez Continent. Jamais quelqu'un m'avait regardé comme ça. Je devrais pas dire ça, mais c'était les plus belles semaines de ma vie. Et le prince charmant fait celui qui comprenait pas. Alors je me suis mariée avec Jean-Luc. C'est pour ça qu'Eric a choisi de travailler au palace. Parce que son véritable père, c'est Gérard Ribaud, n'est-ce pas? Vous avez ma carte. Vous m'appelez quand vous voulez. Je vous demande juste une chose. Quand vous arrêterez l'assassin de mon fils, je veux juste pouvoir le regarder dans les yeux. Je peux compter sur vous. Vous pouvez y aller, monsieur. Vous avez cherché partout, vous étiez où avec madame Leroy? Eddie Janzic et Jean-Luc Leroy, ils ont avoué. Le tabassage, oui, le meurtre, non. Vous étiez où? Chez moi. Vous savez, pour les gens, c'est moins stressant que le commissariat et plus propice aux confidences. Vous avez auditionné un témoin chez vous? Oui. Enfin, non. Enfin, j'ai pas fait de PV. C'est une blague? Vous ne pouvez pas emmener les gens chez vous, c'est interdit, ça s'est jamais vu nulle part. Vous êtes bien allé à l'école de police, non? Je pense que le mobile n'est peut-être pas celui que l'on croit. La fin ne justifie pas les moyens, capitaine. Une bonne première journée. Tu m'as pas dit que ta mère t'avait inscrite aux éclaireuses israélites? Ah, ça. T'aurais pu m'en parler. Tu sais, si t'as des questions sur la religion, je suis là. Des questions sur la religion juive, à toi. Et pourquoi pas? J'ai vécu avec ta mère, je te rappelle. En tout cas, si t'as des questions sur la religion musulmane... C'est clair que t'es un expert en religion, toi. Ok, on résume. T'es non pratiquant, mais tu manges pas de porc. Je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où je t'entends parler arabe à la maison. Tu fais pas le ramadan, mais t'oses pas le dire à mamie. C'est pas ça. Papa, je t'ai vu faire. Bah, disons que c'est compliqué. Je t'ai jamais vu prier. Donc tu crois pas en Dieu. Alors pourquoi tu manges pas de porc si tu crois pas en Dieu? C'est bien ce que je disais. C'est compliqué. Et de toute façon, c'est pas la question. Les éclaireuses israélites, je comprends pas ce que tu cherches. Et de toute façon, tu n'iras pas. Pourquoi? Et moi? Et mon histoire à moi? Tu me demandes pourquoi je mange pas de porc? C'est pas ça l'essentiel. Ça fait partie de mon héritage que j'ai envie de conserver et de te transmettre. Tu vois ce que je veux dire? Pas vraiment, non. C'est bien ce que je disais. C'est compliqué. Monsieur le divisionnaire, vous avez demandé à me voir? Oui, entrez, je vous en prie. Asseyez-vous.
qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure dans la rue? Vous m'expliquez? Rien du tout. Rien? Vraiment? Très bien. Juste pour vous rassurer, les méthodes du capitaine Sheriff ont déjà fait leur preuve. J'en doute pas une seconde. Je le connais bien. Il est parfois limite, mais ça n'est pas un ripou. Tu n'as jamais dit ça. Mais le fait d'être honnête ne le sauvera pas quand l'IGS lui tombera dessus. Ils feront pas de différence, croyez-moi. Écoutez, je sais pourquoi vous êtes ici et ce qui vous est arrivé. Si votre frère avait eu une hiérarchie digne de ce nom... Si mon frère avait suivi le règlement, l'IGS l'aurait pas épinglé. Et ce serait pas suicidé, c'est aussi simple que ça. Votre père a déjà perdu un fils. Je comprends qu'il veuille vous garder près de lui. Mon père? Il n'a pas tendu la main à mon frère quand il avait besoin de lui pour aller se faire foutre. Adeline, je vais peut-être vous paraître dur. Mais dans votre propre intérêt, il va falloir dépasser tout ça. Tu l'as bien regardé, la brouillarde? Attends, je serais pas étonné qu'il y ait des codes pénales tatoués sur le cul. Attends, avec le shérif, il se voit, tu le crois, ça? Hein? Tu te souviens comment ça s'est fini avec les deux autres? N'empêche, capitaine, à 34 ans, et auquel des orfèvres en plus, je vois pas ce qu'elle vient foutre ici. Hein. À savoir, peut-être une idée de papa, hein? Eh, parce que son père, c'est monsieur le directeur général de la police nationale Place Beauvau. Excuse-moi si je suis pas bluffé par le CV de la petite fille. Ben, regarde. Disent qu'elle est barrée dans 15 jours. Ah, bah ça va, tu m'oublies pas trop non plus. Bah attends, moi j'ai 4 gamins à charge, hein. Non, mais vous l'entendez? Il a bon dos, le père de famille. Très classe, le mug. C'est celui-là, mon mug à nichon. 50 euros que je suis encore là le mois prochain. Bien joué. Oui, capitaine Briard. Oui. Vous êtes sûr? Merci. Je sais qu'il était dans la chambre avec Éric Leroy. Et c'était pas Jean Zic. Alors, c'est qui? D'abord, faut qu'on se mette d'accord. Ce qui s'est produit tout à l'heure doit plus arriver. Ouais, je suis d'accord. Vraiment? Ouais, vraiment. C'est vrai, ça sert à rien de vous mettre dans des états pareils. C'est bien que vous preniez de bonnes résolutions tout de suite. On en reparlera. C'est pas fini. À votre disposition. Alors, c'est qui? Non, vous d'abord. Alors, ce mobile. Très bien. Éric Leroy était le fils de Gérard Ribaud. Elle a eu une liaison avec lui il y a 23 ans. Mais Ribaud n'est pas au courant qu'Éric était son fils. D'accord. Et moi, j'ai reçu un appel de deux Jax. Ils ont identifié la substance sur le corps d'Éric. C'était pas du lubrifiant, mais de la pommade, dont le principe actif est de l'arnica. De la pommade? Je vois mal Eddie masser Eric après l'avoir tabassé comme il l'a fait. Et pour cause, c'est pas lui. J'ai regardé les vidéos du parking pour voir si quelqu'un était ressorti dans le courant de la nuit et c'est comme ça que je suis tombée là-dessus. Le rapport avec la pommade? Et où est passé le sens de l'observation du shérif? C'est une trousse de secours. C'est pas son sac. C'est elle qui était dans la chambre avec Eric. Reste à savoir pourquoi. Il
pourquoi il aurait fait ça? Pourquoi Éric Leroy aurait infiltré l'hôtel de son père sans dire qui il était? D'après Madame Leroy, Éric voulait que Gérard Ribault le reconnaisse pour son mérite. Il comptait lui dire la vérité une fois nommé chef réceptionniste. Éric a suivi exactement le même parcours que lui. Ça peut pas être une coïncidence. C'est pas si idiot que ça. Il y a des gens qui courent toute leur vie après la reconnaissance paternelle. Je sais de quoi je parle. Il avait plus de chances de l'obtenir incognito, sauf qu'il a croisé la route dédiée de Madame Ribault. Complice? Jean Zic dit qu'il est arrivé à la VP vers minuit et demi, juste après avoir tabassé Eric. Alors évidemment, ils vont tous témoigner pour lui, mais ça prouve rien. Il y a moyen de savoir si Eddie raconte la vérité. Je vais vérifier. Puis on va pas se priver de demander à Miss Rhône-Alpes. Ouais, peut-être pas à 2h13 du mat. Et vous en trouvez un studio? Parce que sinon, vous pouvez toujours venir dormir chez moi. Tout bien, tout honneur, bien sûr. Bien sûr. Mais non, merci. J'ai un studio dans le quartier de la Croix-Rousse. Ah? Bon. La partie comme c'est pas ce soir qu'on va coucher ensemble. Pas ce soir, pas cette année, puis pas dans cette vie. Allez, faites de beaux rêves, shérif. Figurez-vous qu'on a trois véhicules qui nous sont affectés. Trois véhicules en état de marche, je veux dire. On cherche la bagarre ce matin. Il dit Jean-Zic que notre fondu de vitesse s'est fait flasher à minuit et demi, au radar de la rue Clémenceau. Il a pas menti sur son emploi du temps. Comment vous l'avez retrouvé? De la VP au Palace, il y a deux chemins possibles. Pour piquer une pointe, c'est celui que j'aurais pris. J'ai demandé à un pote de vérifier. Exit Jean-Zic. Ce qui nous laisse Madame Ribault. Ah justement, regardez sur la banquette arrière. J'ai trouvé pas mal de choses sur elle. Elle vient d'une famille modeste, 8 enfants. Sacré parcours. Enfin, elle a fait ce qu'il fallait pour. Disons qu'elle a su tirer le meilleur parti de son physique. Des photos de charme, ça n'a pas marché. Deux fois mariée avant Ribault, des mariages éclairs. Chaque fois, elle trompait son mari avec le suivant qui, systématiquement, avait un portefeuille plus rempli que le précédent. Je vois. Elle a épousé Ribault il y a 13 ans. Elle en avait 26 et lui 49. Et tout ça entre cette nuit et ce matin? Disons que je suis pas partie tout de suite. Les Ribault n'ont pas d'enfants et tout d'un coup, en voilà un. C'était un risque pour elle et son héritage. Nous savions que vous étiez avec Eric dans la chambre 28. Vous le soignez? Qu'est-ce qui se passe ensuite? J'ai rien à vous dire. Très bien. On va interroger tous les clients, histoire de ne pas être venu pour rien. Mesdames et messieurs. Arrêtez, s'il vous plaît. Pourquoi j'aurais fait une chose pareille? Parce que vous aviez peur de tout perdre. Je comprends rien. Pourquoi je perdrais tout? J'aime mon mari, il m'aime. On se bat comme des dingues pour cet hôtel. C'est un peu notre réussite à tous les deux. Vous aimez votre mari? Comme les deux précédents? De belles histoires d'amour qui sont mal terminées. Enfin, pour eux, parce que vous, vous êtes plutôt bien retombés. L'ancienne Miss qui a gravé les échelons grâce à son cul. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point c'est difficile de diriger un hôtel 5 étoiles après tout ça. Et je vous parle pas du stress ou des employés qui se taisent à chaque fois que vous rentrez dans une pièce. Mais du reste, avec Internet, rien ne s'efface. Je vous souhaite de ne jamais avoir à porter ce genre d'étiquette. D'accord. Alors pourquoi nous avoir menti sur votre emploi du temps la nuit du meurtre, si vous n'avez rien à vous reprocher? Bien, Madame Ribault, vous êtes placée en garde à vue à compter de ce jour. Ça ici, et pas comme ça. Ok, suivez-moi. Qu'est-ce qui se passe à la petite dernière? Comment prouver qu'elle savait pour Eric? J'ai épluché les téléphones, les mails, il n'y a rien. Peut-être qu'Eric lui a dit. Si c'est pendant qu'elle le soignait dans la chambre, il n'y a aucun témoin de ça. Va falloir la faire craquer. Et c'est pas gagné. Vous avez vu ce qu'elle vient de faire? Et? Dans la chambre au Palace. Le tableau avait été remis à l'envers. Elle, elle l'aurait remis à l'endroit. Et vous pouvez pas. Elle est avec son avocat. Ce n'est pas vous qui avez assassiné Eric Leroy, mais vous savez qui l'a fait. Excusez-moi, mais vous n'avez pas le droit. On vous voit sur les vidéos du parking. Vous êtes calme, tranquille. Rien à voir avec quelqu'un qui vient d'être témoin d'un meurtre. C'est forcément plus tard que vous avez compris, en rentrant chez vous. Votre mari... Il supporte pas que les autres hommes me regardent. Il a toujours été jaloux. Il a viré deux employés parce qu'il pensait que je couchais avec. Il a cru que j'avais une liaison avec Eric.
Rien de ce qui a été dit ici ne devra figurer dans le dossier. D'ailleurs, ma cliente n'a pas explicitement mentionné son mari. Gérard Ribot ignore qu'il a assassiné son propre fils. Voilà, je suis venu. Vous aviez dit que je pourrais parler à ma femme. Plus tard. La bonne nouvelle, c'est que votre femme sera convoquée devant le juge. Elle n'ira pas en prison. Encore heureux, elle n'a rien fait. Obstruction dans le cadre d'une enquête criminelle, en fonction du juge, ça peut aller très... Ma femme n'ira pas en prison, elle n'a rien fait. Ah ouais, d'accord. Ah non, mais j'ai compris. C'est ça votre petit jeu, hein? Espérer que je vous raconte je sais pas trop quoi dans un moment d'égarement, c'est ça? Pas je ne sais pas trop quoi, non. Je n'ai pas de bonnes nouvelles, monsieur Ribot. Je sais pas comment vous dire ça, mais Eric Leroy était plus qu'un employé. C'était votre fils. Ah ben, vous reculez devant rien pour essayer de plomber quelqu'un, vous, hein? Vous savez très bien que j'ai pas d'enfant. Monsieur Ribot, c'est la mère d'Eric. Je m'en occupe. Madame Leroy. C'est à cause de moi si Eric est allé dans cet hôtel. Vous savez que c'est plus compliqué que ça. Je cherchais ma femme, parce qu'on devait rentrer ensemble. Je la trouvais pas. J'ai pensé qu'elle faisait nombre. J'aurais très bien pu rien voir. Mais je les ai vus. Ils entraient dans la chambre rose tous les deux. Non, j'ai su. Enfin, j'ai cru. J'ai toujours eu peur que quelqu'un me l'apprenne. Ma femme, elle est tellement belle. Mais je sais bien. Je vois ce qu'ils pensent tous quand ils la regardent. Donc j'ai attendu, puis au bout d'un moment, elle est ressortie toute seule. Et je suis rentré dans la chambre. Et Eric. Eric était là en face de moi. Et c'est là que vous l'avez frappé. Je me sentais trahi. T'es un homme que j'avais accueilli dans ma famille et que j'avais aidé à progresser socialement. Je l'ai étranglé. Et quand je suis rentré chez moi, ma femme a compris tout de suite qu'il s'était passé quelque chose d'horrible. Et j'ai tout raconté. Nous avons la déposition de votre femme. Elle a trouvé Eric dans le parking. Elle a supplié d'appeler une ambulance, mais il a refusé. Il ne voulait pas que vous sachiez pour son passé à l'Alliance. J'ai tué mon fils. Gérard Ribot va être déféré. Quel gâchis. Ce que voulait Eric, c'était trouver sa place. Il est passé de l'AVP au Palace. La même discipline, des règles aussi strictes. Parfois, je me demande s'il est possible d'échapper à son destin. Signer la paperasse. C'est ça, oui. Monsieur
Ça va, prends mes marques. Alors, t'as les infos que je t'ai demandées ? Mmh. Ah ouais ? C'est deux partenaires. Ok. Merci. À bientôt. Ciao. C'était sur mon pare-brise. Débriefing hebdomadaire. Je vous laisse entrer si vous promettez de ne pas me menotter. En tout cas, pas devant tout le monde. Ça sert quelque chose ? Vous avez déchaîné les passions avec cette histoire de Paris. Beau boulot aujourd'hui. Surtout venant du 77e sur 358 de sa promo, c'est vraiment pas mal. Ah, je vois qu'on s'est renseigné. Trois blâmes. Tous pour insubordination, sans bilan sur vous. Vous respectez l'homme, mais pas le grade. Mais bon, ça, j'ai pas de mérite, hein. C'est dans votre dossier. Parce que c'est pas fini. Premièrement, votre mère est très présente dans votre vie. Par contre, aucune trace ni mention de votre père. Alors, je dirais qu'il a probablement quitté le foyer familial lorsque vous étiez enfant. Et à mon avis, ça expliquerait votre engouement pour les séries télé qui comportent des héros masculins. Vous avez eu besoin de vous trouver des pères de substitution. Théorie intéressante. Deuxièmement, vous n'êtes pas devenu flic par hasard. Le fils d'immigré qui fait respecter la loi française, la carte tricolore, tout un symbole. Sympa chez vous. J'ai pas eu le temps de bien regarder la première fois. Donc, on se tutoie pas. Non. Ah oui, j'oubliais. Je sais aussi ce qui est arrivé aux autres. Il n'y a pas de danger que ça se reproduise. Vous êtes pas mon genre. Mais alors pas du tout. Là, Déjax, je vous donne une leçon. Ah ouais, ouais. Tiens. Prenez les bleus, hein, aussi les rouges. Faut bien viser, hein, d'accord ? Ouais, vas-y, vise bien. Voilà. C'est doué, hein ? You're never gonna break my heart, Mr. Big Stuff. You're never gonna make me cry, Mr. Big Stuff. Tell me.